Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici votre samouraï. Je me pose suffisamment de questions. Je crois qu'on nous avait dit que la récupération des domaines de l'État avait été suspendue. On avait vu un communiqué allant dans ce sens. Mais à notre grande surprise, on vient de voir que Mamou, ça casse seulement, ça casse. On l'avait dit la dernière fois. Le siège de l'UFDG même à Mamou a été démoli. Bon, en réalité, on l'a dit la dernière fois, hein, et on revient encore là-dessus. Vous savez, nous sommes dans un pays qui est en voie de développement, un pays extrêmement pauvre. Et ici, ça se limitait simplement à la pauvreté. Mais nous sommes en plus un pays pauvre et très endetté. Nous sommes endettés. Nous avons des dettes sur le plan... auprès des institutions financières internationales. Le développement de la nation passe d'abord par le fait que les gens puissent avoir où loger et quoi manger. D'abord, on n'a pas quoi manger. Les gens n'ont pas où dormir, où loger. L'État a l'obligation, selon les textes juridiques, de créer des logements sociaux, de construire des logements sociaux pour pouvoir faire loger les concitoyens, les citoyens. Ça, c'est une obligation pour l'État. Malheureusement, notre État dit qu'il n'a pas de moyens. Et c'est ce qu'on a constaté depuis belle lurette, l'État n'a pas de moyens. Ce n'est pas seulement le cas de la Guinée. La plupart des États africains sont dans l'incapacité notoire et absolue, n'est-ce pas, de satisfaire aux exigences de ce droit. Mais si l'État n'a pas les moyens de construire le peu qui existe, Même si selon la règle, ceux qui ont construit sur le domaine de l'État, je crois que la moindre des choses, c'est de récupérer ces domaines, de les garder ainsi et d'en faire autre usage. Cela vaut mieux que de casser ces bâtiments. Cela vaut mieux que de détruire tout l'effort de plusieurs années. On parle de la refondation de l'État. Je l'ai dit la dernière fois, c'est vrai qu'on ne peut pas faire des omelettes, des œufs, j'allais dire des omelettes, sans casser des œufs. Ah, mais il y a une manière de casser l'œuf. Tu prends l'œuf, tu le jettes sur un caillou, tu ne pourras plus faire des omelettes. Tout comme fait l'œuf va se trouver être cassé, mais tu ne pourras pas faire des omelettes. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Déjà, on nous a dit qu'il y a une suspension de la récupération des domaines de l'État, que le déguerpissement va continuer sur les emprises des routes. Mais jusqu'à aller casser les différents bâtiments encore, pour quelle raison? Si l'État est incapable de faire loger ses concitoyens, mais le peu qui existe là, il faut laisser intact. Et l'autre des choses, l'autre question que les gens refusent d'aborder, c'est... Qui a autorisé ces citoyens guinéens à s'installer sur ces domaines? En réalité, les gens ne peuvent pas se lever comme ça un bon matin bonheur, pour aller dire, bon, ici c'est mon domaine. Non. Nous connaissons tous la procédure d'acquisition des domaines en Guinée. Pour commencer à construire sur un domaine, il faut avoir le titre foncier. Et qui délivre le titre foncier des domaines en République de Guinée? Ce sont les communes de l'État. Pourquoi ceux-là qui ont donné ces domaines-là, au jour d'aujourd'hui, ils sont assez libres, en train de se promener tranquillement. Ils se promènent, ils n'ont aucun problème, aucun souci. Pendant que les pauvres citoyens qui ont simplement voulu respecter l'autorité de la loi ont suivi la procédure régulière. Ils sont allés voir des commis de l'État, des gens censés représenter l'État, parce qu'ils avaient peur de ne pas occuper un domaine qui ne puisse pas les appartenir. Ils ont suivi, dans la plupart des cas, ils ont suivi la procédure régulière, la procédure normale. Et un commis de l'État a quelque part signé un document autorisant un citoyen à s'installer sur une portion du territoire guinéen. On casse sa maison, la maison du citoyen. On détruit son effort de plusieurs années. Quelle est la situation de celui-là qui lui a autorisé à construire, à investir autant d'argent? Le fonctionnaire guinéen,
qui qu'il soit, au jour d'aujourd'hui, l'une des difficultés auxquelles les fonctionnaires guinéens sont confrontés, c'est qu'ils peuvent commencer leur carrière jusqu'à la fin. Ils ne peuvent même pas s'offrir même un seul lopin de terre. S'offrir un seul lopin de terre, ils ne peuvent pas. Parce que le salaire est maigre, le salaire ne les permet pas. Dans la plupart des cas, vous avez des domaines qui sont achetés par des enseignants qui partent faire des prêts bancaires. Bon, alors imaginez, quelqu'un qui part par exemple faire un prêt bancaire, il suit la procédure. Parce que les gens, avant d'investir beaucoup d'argent quelque part, ils prennent le temps de vérifier. Et il y a forcément un représentant de l'État qui va signer un document quelque part. Imaginez, la personne part, elle prend un prêt bancaire, elle achète son domaine. Parce qu'on dit, l'avenir c'est dans la construction. Il faut construire. Chez nous, c'est une des preuves de la réussite. C'est une preuve que quelqu'un a fait du sérieux dans sa vie. La personne achète le domaine. La personne économise son argent. Refuse de donner, c'est-à-dire de gaspiller, de dilapider son argent. Économise même parfois pour donner à manger à sa famille. Il coupe tout. Il sert juste pour pouvoir réaliser son rêve qui est de construire sa maison. Il se débrouille, il vient construire sa maison. Et paf, un beau matin, on vient, on dit récupération des domaines de l'État. La personne est assise. Toute sa vie est ruinée. Toute sa vie est ruinée. Mais comme c'est l'État qui est fort, il ne peut rien. Mais alors, il aimerait aussi, ou la personne aimerait aussi, que le commis de l'État qui lui a autorisé à s'installer là, à construire là, qui a signé le titre foncier, que ce commis de l'État paye, lui, c'est-à-dire que ce commis de l'État puisse payer aussi. Parce que si vous êtes un agent de l'État, vous êtes censé appliquer la règle, vous devez faire en sorte que les citoyens qui passent par vous pour acquérir des titres fonciers de propriété sur les terres, vous devez faire en sorte qu'ils ne puissent pas s'approprier ou s'acheter des domaines qui appartiennent à l'État. C'est ça le rôle. Mais aujourd'hui, qui sont les victimes? Ce sont les pauvres citoyens. Et comme ça, ça fait extrêmement peur. Mais ça fait vraiment peur. Et en ce qui concerne la destruction du siège de l'UFDG, là, moi, je ne comprends plus rien. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a été exclu de l'UFDG. Et c'est au lendemain qu'on voit ces images de la destruction du siège. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. Quoi qu'il advienne, ça donne à interprétation. Même si parfois, ça peut être des interprétations erronées ou des interprétations peut-être fantaisistes, mais ça donne à cogiter et à réfléchir.